Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Il est 6h moins le quart. Nous sommes en Corse et on va faire une petite séance de photos, de lever de soleil. Alors, ça fait très longtemps, donc ça fait du bien aussi de reprendre un peu les bonnes habitudes. Et donc on va voir un petit peu comment composer les choses, comment travailler, et notamment quelques petites astuces à gauche et à droite, avec par exemple les filtres polarisants et les techniques à utiliser pour essayer de faire des jolis clichés. Allez, c'est parti. Alors, au niveau configuration, je suis donc avec un trépied, comme d'habitude, le Nikon Z7 II, avec un objectif le 14-30 f4. Les paramètres de prise de vue, donc j'ai déjà regardé un petit peu ce que donnait l'exposition. Donc j'ai essayé de trouver une composition sympathique ici. On va faire de la pose longue forcément. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une première mesure de l'exposition qui m'a donné donc à F8, ISO 64, donc les plus bas comme d'habitude. F8, c'est mon diaph, là je sais où il y a le meilleur rendement, on va dire, c'est-à-dire que la meilleure précision et la profondeur de champ idéale, donc pas besoin d'aller plus loin. Et donc en faisant la mesure, j'avais un temps d'exposition de une demi-seconde, on va dire. Voilà. Une demi-seconde en mettant des filtres ND devant. En l'occurrence, j'ai mis un filtre qui coupe 3 diaphs plus un filtre qui coupe 6 diaphs, donc ça fait 9 diaphs en tout, de couper juste devant, avec un filtre polarisant aussi, et ça c'est pour les reflets sur l'eau, je vais en parler après. Et donc en mettant ces 9 diaphs coupés, ça fait que je passe d'un temps d'une demi-seconde à 4 minutes 20 à peu près. Enfin un peu moins, mais bon voilà. Donc en gros, ce que je vais faire, c'est donc j'ai mis ça, j'ai fait une première photo pour voir un petit peu ce que ça donne, et puis ensuite on va continuer toujours en alternant les compositions et voir un peu ce qui fonctionne le mieux. Voilà. Chose intéressante à savoir, j'utilise donc les filtres CAS, j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo, et non, je ne suis pas sponsorisé, même si j'aimerais beaucoup. Mais donc je les utilise surtout parce qu'ils sont magnétiques, donc c'est très pratique de les enlever et de les remettre sans s'embêter à visser ou à positionner. Voilà, donc c'est très pratique. Mais la chose à savoir, c'est que donc, je les avais pris d'un diamètre beaucoup plus grand que le diamètre de l'objectif, justement pour éviter d'avoir les bords, de voir les bords notamment au grand angle. Donc ça fonctionne très bien lorsqu'on n'en additionne pas trop. Mais là typiquement, vous voyez, là j'en additionne 3, donc il y a le polarisant circulaire, pardon, ainsi que donc celui qui coupe 3 stops, enfin 3 diaphs, et celui qui coupe 6 diaphs, donc ça fait 3 filtres cumulés. Et là, effectivement, je suis obligé de zoomer un petit peu dans la plage de l'objectif. Donc je ne peux pas rester au 14 mm, en l'occurrence, là, je suis obligé de passer au 16 mm, sinon au 14. Et encore même au 16, j'ai un petit peu, on voit encore un tout petit peu sur les bords, notamment sur la partie haute. On commence à voir les filtres. Et donc voilà, donc ça, il faut savoir qu'effectivement, si vous êtes sur des très grands angles, des ultra grands angles, il faut toujours prévoir d'avoir des filtres plus grands. Et que même là, en l'occurrence, vous devez finalement peut-être encore
zoomer un petit peu dans l'image pour être sûr de ne pas avoir de bord et que ça vienne vous gâcher un petit peu la photo. Voilà. Plusieurs choses auxquelles faire attention. Quand vous utilisez des très grands angles, faites gaffe et vous êtes justement à très courte focale, faites attention au pied du trépied. C'est-à-dire que des fois dans votre cadre, surtout lorsque vous venez chercher de l'avant-plan, le souci c'est que vous risquez d'avoir les pieds qui rentrent dans le champ. Donc ça, faites super gaffe au bas de vos cadrages, que ce soit en horizontal, mais surtout en vertical en général. C'est surtout en vertical où on a souvent un peu plus de latitude pour venir chercher de l'avant-plan, et c'est là où il faut faire super gaffe à ça. Donc faites bien attention au pied de votre trépied, dans votre cadre. Et ensuite, petite astuce pour ceux qui utilisent des filtres polarisants. Alors pour ceux qui se demandent à quoi servent les filtres polarisants, est-ce qu'il faut les utiliser, etc. Les filtres polarisants sont en gros des filtres qui effectivement tournent, puisque leur inclinaison va permettre de couper la réflexion de certains rayons lumineux. Voilà. Et du coup, ça va permettre soit de couper, soit d'accentuer ces réflexions sur l'eau. Donc l'effet va être, si vous les coupez, vous allez voir beaucoup plus ce qui se passe au fond de l'eau. Voilà. Et si vous ne les coupez pas, ou vous les accentuez entre guillemets, eh bien, vous allez avoir beaucoup plus de réflexions, donc quelque part avoir une mer aussi beaucoup plus claire, ce qui aide des fois sur certains rendus avec les rochers pour que ça se détache beaucoup plus et d'avoir vraiment une luminosité encore plus présente lorsqu'on a le fondu dû aux longues expositions. Donc voilà, ça c'est pas mal. Et une petite astuce qu'elle vous avez peut-être, pour ceux qui pratiquent déjà, que vous connaissez peut-être déjà et vous faites déjà, mais en tout cas si vous ne la faites pas, il faut savoir que comme l'inclinaison de la rotation entre guillemets de ces filtres fonctionne pour un angle précis, et bien forcément si vous photographiez en paysage, donc et qu'il est bien positionné et que vous passez ensuite en vertical, en portrait, et bien votre filtre ne va plus être bien positionné du tout, forcément. Et donc une technique qui est toute bête consiste à, en fait, lorsque vous faites le mouvement de passer de l'un à l'autre, c'est de garder votre doigt sur le filtre polarisant à l'endroit où il est. Et comme ça, lorsque vous tournez l'appareil, le filtre reste bien dans la bonne position. Et du coup, vous êtes déjà nickel pour votre shoot en portrait. Voilà, c'est tout bête. Mais si vous n'y avez pas pensé, vous allez voir, ça va vous sauver des mouvements supplémentaires à chaque fois que vous passez de l'un à l'autre. Gardez votre doigt fixe sur le polarisant, hop, vous bougez dans un sens, dans l'autre, et en tout cas lui, il restera dans la position que vous souhaitez pour le rendu que vous souhaitez. Voilà, petite astuce. Autre chose à garder en tête, au fur et à mesure que le soleil va se lever, forcément l'exposition va changer. C'est-à-dire que ce qui était à l'origine une exposition de 4 minutes va au fur et à mesure réduire, passer à 2 minutes, et ainsi de suite si vous gardez bien sûr le même nombre de filtres. Si vous augmentez, vous pouvez toujours garder. Bon, en l'occurrence, j'ai pas un panel de filtres suffisant pour avoir ces gradations-là. Mais voilà, donc faites gaffe quand même, au bout d'un moment, vérifiez quand même votre exposition, de ne pas vous faire piéger, de ne pas surexposer, ce qui serait dommage, puisque si vous allez surexposer, vous risquez de brûler vos images et donc vos couleurs. Et pour les levées de soleil ou les couchers de soleil, c'est ballot, parce que vous brûlez les couleurs, ça veut dire que vous allez perdre toutes les belles teintes qui ont fait que vous vous êtes levé aussitôt. Ce serait dommage. Voilà. Alors là, j'avais une composition qui était intéressante avec ces trois rochers à l'avant-plan. Et aussi, il y avait ce rocher là-bas que j'aime bien avec ces pointes-là. Là. Donc en gros, l'idée, c'était de venir composer avec cet avant-plan-là, un plan assez large qui englobe un petit peu tout. Et bien sûr, de chaque côté, les deux petits bouts d'île avec bien sûr le lever de soleil et de profiter un petit peu des belles couleurs du ciel. Thank you.
Comme je vous le disais, tout à l'heure, donc, j'ai commencé à 4 minutes de pause. Donc là, maintenant, il est 7h20. Et donc là, toujours avec la même configuration, maintenant, je suis autour de la minute et un peu moins de la minute si je ne veux pas surexposer. Donc vous voyez qu'en une heure, la latitude du temps d'exposition avec le même type de diaph arrêté est quand même assez conséquente. Là également, il y a une nouvelle composition sympa avec ces rochers qui font une sorte d'anse comme ça, et celui-ci là-bas en arrière-plan, en vertical. Donc ça, c'est pas mal, je vais le tester aussi. Et pour info, je suis également repassé sur du 13 diaph coupé, donc j'ai ressorti le ND1000 et garder le ND8 donc pour avoir 13 diaph au lieu des 9 précédents, parce que là j'étais maintenant autour de 15 secondes et 15 secondes ça me suffisait plus pour avoir vraiment une mer lisse. Donc là je suis repassé à des temps de pause de entre 2 et 3 minutes avec les 13 diaph. Voilà. J'espère que cet épisode vous aura plu. En tout cas, je vous remercie comme toujours d'être de plus en plus nombreux à suivre la chaîne et à soutenir les quelques épisodes que je produis de temps en temps. Et en tout cas, je suis ravi que vous soyez là, ravi que ce contenu vous plaise. Et j'espère que vous continuez à faire plein de belles photos, à prendre bien soin de vous. Et moi, je vous dis à bientôt, peut-être à la rentrée, peut-être avant, on verra selon comment ça se passe. Si vous avez des vacances, profitez-en bien. Si vous ne les avez pas encore, on pense bien à vous aussi. Bon courage. Et puis, je vous dis à très vite. Ciao.